And I have the blood, she's sitting somewhere here. Quand j'étais un petit garçon, when I was a little boy, elle avait l'habitude de me faire asseoir et de me parler disant, you used to have a habit of making me sit and tell me, you will come in a big cloud. Et un jour, il y aura la résurrection et Dieu va venir. And one day there will be a resurrection and God will come. Ça, c'est la maman de Frère Branham. That's the mom of Frère Branham telling me. Maman, c'est l'église. Mom is a church. Il était un petit garçon. He was still a young boy. On lui disait ça. They were telling me that. Listen now. Alors, les nuages sur lesquels il viendra. Now, the clouds in which he will come. Si seulement nous avions le temps de voir tout cela. If only we had time to see all of this. D'examiner le véritable arrière-plan. To study the true plan of everything. Eh bien. La nuage sur laquelle il viendra, ce n'est pas un nuage comme un cumulonimbus. You will come with is not a cloud of a big cloud. Big cloud. Donc, il ne viendra pas sur les nuages qui vous faites. Vous voyez là. It's not, it will not come this kind of cloud. Donc, quand on dit que Jésus est monté au ciel, when they say Jesus went to heaven, un nuage là dérobé, the cloud surrounded him. Donc, ce n'était pas du cumulonimbus. It's not this kind of cloud that we have here. C'était une nuage de gloire. It was a glorified cloud. My. Il dit, mais c'est sur une nuée de gloire qu'il viendra. But it is on a cloud of glory that he will come. Frère, mais tout le monde le met sur la paix à la nuée de gloire. Brother, everyone in the message calls it the cloud of glory, isn't it? Mais comment est-ce que les gens disent que Jésus n'est pas venu dans cette nuée? How can people say Jesus did not come in this cloud? Parce que il n'y a pas deux promesses de la nuée. There's not two promises of the cloud. C'est la seule promesse de la nuée. It's the only promise of the cloud. Et le frère Branham dit que Jésus ne viendra pas sur les nuages que vous voyez. But Brother Branham says Jesus will not come in this kind of cloud that you see there. Parce que c'est ça que les gens pensent. That's what people think. Jésus viendra de au-dessus. Jesus will come up from upstairs. Donc la nuée est venue. And the cloud came. Et Jésus vient après. And Jesus come later. Ça ne marche pas comme ça. It will never work. Les nuages que vous voyez là, and those clouds, yeah, c'est ça que le frère Branham appelle les cumulonimbus. That's what Branham called cumulonimbus. Nimbus. Amen. Je n'ai jamais vu ça. C'est maintenant que j'ai vu ça. I've never seen it. This is cumulonimbus. Vous voyez, c'est ce que les gens ont dans leur pensée. That's what people have in their mind. Ils attendent Jésus. They are waiting for Jesus. Les pentecôtistes. Pentecostals. Les baptistes. Baptists. Tout le monde. Everyone. Eh bien, quand Jésus a été couvert d'une nuée par Dieu, well, when Jesus was surrounded by a cloud, by God, sur la montagne de la transfiguration, in the mountain of our transfiguration mountain, et lui et ses vêtements étaient couverts d'une nuée. Him and his clothes was covered by the cloud. Voyez-vous? See? Mais quand Élie est arrivé là, when Elijah got there, une nuée est descendue et l'a enlevé. The cloud descended and took him. Non pas une colonne de feu. Not a pillar of fire. Je vais dire non pas une cumulonimbus. I'm not saying not this cumulonimbus. Mais une nuée de gloire. But a cloud of glory. Amen. Le problème c'est quand vous voyez la nuée de gloire. The problem is when you see the cloud of glory. Vous voyez les nuages là. And you see those clouds there. Ça ressemble. It looks the same. Mais c'est pas la même chose. But it's not the same. It's not the same thing. Il dit, sa grande et glorieuse présence frappera la terre. He said, his great presence will hit the earth. Il viendra sur des nuées. It will come in the clouds. Oh, j'aime ça. Oh, les nuées. The clouds. Il y aura vague après vague. There will be wave. Wave. Vague, c'est quoi? Wave. Wave. Waves after waves, yeah. Il dit, il y aura vague après vague sa gloire qui parcourra la terre. His glory that will go through the earth. Et les saints résisteront. And the saints will resurrect. Quand cet adorable Saint Esprit qui a vécu. When this adorable qui a vécu dans leur cœur, Holy Spirit which lives in the heart. Amen. Donc il parle de la résurrection. Quand la résurrection vient, when the cloud comes, ça produit la résurrection. Une résurrection générale. A general resurrection. Laissez-moi terminer avec let me finish with this quotation. This quotation, il vient. Ça c'est
concept. This is the bridge exposition of seven churches. Il vient. He comes. Jésus vient. Jesus comes. Dieu vient. God comes. Les prophètes viennent. The prophet comes. Man. Le lieu sera et ça comme tout le monde. Donc quand il vient, when he comes, c'est Dieu, it's God, c'est Jésus, it's Jesus, c'est le prophète, it's a prophet. Wow. Les sacrificateurs et rois viennent. The sacrificator and the king comes. The high priest. The high priest and the king comes. Le tout en tout vient. The all in all comes. Oui, Seigneur Jésus. Yes, Lord Jesus. Viens bientôt. Come soon. Amen. Amen. Écoutez-moi là. Now listen. Il vient dans les nuées. He comes in the clouds. Des nuées de gloire. The clouds of glory. Comme quand il l'a vu sur la montagne de la transfiguration. Just as we see him in the transfiguration mountain. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. And as his cloth was shining, what God. Et tout œil le verra. And every eyes shall see him. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Which means it's not the rapture. C'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. It's when he will come to take his place as the government of the world. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine, les dénominations seront dans le gain. It's when those who person with their creeds and their doctrine will be in funerals. Amen. Vous voyez maintenant? You've seen this. Matthieu 17. Message. Il vient dans les nuées de gloire. I want to say, comes in the cloud of glory. Mais qui vient? Which, who comes? C'est Dieu qui vient. It's God who comes. C'est le prophète qui vient. It's the prophet. C'est le roi et sacrificateur. The high priest and the king. The king. Tout ça dans une même personne. All of them in one person. Mais il vient comment? How does he come? Il vient dans les nuées. He comes in the cloud. Il n'y a pas deux promesses de Dieu. There's no two promises of the cloud. That's the only promise of the cloud. Amen. Amen. Sans confession, c'est le dernier. This is the last one. 386. Que ferait-il ici? What will he do here? Il s'est révélé sous une autre apparence. He revealed himself in another appearance. Dans Matthieu 17, Jésus s'est révélé sous une autre apparence. Jesus revealed himself in another appearance. Amen. Sous quelle apparence était-il? What appearance was he? Dans une forme glorifiée. In a glorified form. Transfiguré. Transfigured. Sa venue. His coming. La façon dont il revient. In the way that he comes. Un Christ glorifié. A glorified Christ. Transformed. Son vêtement resplendit comme le soleil. His cloth was shining as oh the sun. La. Oh là! Il était dans la nuée. He was in the cloud. Et il vient sur les nuées de gloire. And he comes in the clouds. Couvert d'une nuée. Covered with a cloud. Non pas un petit cumulonimbus. Not a small cumulonimbus. Blanc là-bas. A white there. Mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée de gloire. But the cloud in which he comes is a glory, a cloud of glory. Tous ses anges avec lui. All his angels with him. Alléluia. Alléluia. Oh là là. C'est comme ça qu'il revient. That's how he comes. Oh. Il revient sur une nuée de gloire. He comes in the cloud of glory. Bon, maintenant mes amis. Now my friends. Dites-moi, j'ai fini. Tell me, I'm finished. Après tout ceci, after all this, est-ce que vous aurez le courage de me dire que Jésus n'est pas venu? You will have courage to tell me Jesus has not come. Amen. Amen. Ou bien vous attendez le cumulonimbus? Ah, you wait for the cumulonimbus. Amen. Amen. Donc la présence de la nuée, so the presence of the cloud, nous a parlé de la venue. Spoke to us of the coming of the Lord. Nous savons que we know that
Jésus est Jesus venu. Is has come. Dans la nuée. In the cloud. Il est venu faire quoi? What did he come for? Pour enlever? To rupture? Non, monsieur. No. Parce que quand ceci arrive, when this happens, il y a Élie et Moïse. There's Elijah and Moses. Et quand Élie et Moïse, when Elijah and Moses, l'église est déjà levée. The church will already rupture. So we don't wait for the rupture. The cloud expresses the third coming of the Lord. La venue du Seigneur. The coming of the Lord. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. This is not me saying it. Mais c'est le frère Branham qui l'a dit. Branham saying it. Que le Seigneur bénisse. The Lord bless you.